Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous allons commencer notre prière du soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que ma prière s'élève devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Amen. Chers amis, nous voici devant Dieu. Aussi confessons nos péchés, les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous ne t'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance du Saint-Esprit, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Dieu Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui qui est, qui était et qui vient, pour pour les les siècles siècles des des siècles. siècles. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le psaume chapitre 38. Seigneur, châtie-moi sans cour, corrige-moi sans fureur. Tes flèches se sont abattues sur moi, ta main s'est abattue sur moi. Rien d'intact dans ma chair, et cela par ta colère. Rien de sain dans mes os, et cela par mon péché. Car mes fautes ont dépassé ma tête, comme un pesant fardeau. Elles pèsent trop sur moi. Mes plaies infectées suppurent, et cela par ma sottise. Je suis courbé et tout prostré, sombre,
Je me traîne tous les jours, car mes reins sont envahis par la fièvre. Plus rien n'est intact dans ma chair. Je suis engourdi, tout brisé. Mon cœur gronde, je rugis. Seigneur, tous mes soupirs sont devant toi, et mes gémissements ne te sont pas cachés. Mon cœur palpite, les forces m'ont abandonné. J'ai perdu jusqu'à la lumière de mes yeux. Mes amis, mes compagnons reculent devant mes plaies. Mes proches se tiennent à distance. Ceux qui en veulent à ma vie ont tendu des pièges. Ceux qui cherchent mon malheur ont parlé pour me perdre, en murmurant chaque jour des perfidies. Mais moi, comme un sourd, je n'entends pas. Je suis un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis un homme qui n'entend pas et qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est en toi, Seigneur, que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Je disais que je ne fasse pas la joie de ceux qui triomphent de moi quand je vacille. Et me voici prêt à défaillir. Ma douleur m'est sans cesse présente. Oui, je proclame ma faute et je m'effraie de mon péché. Mes ennemis, pleins de vie, sont puissants. Ils sont nombreux. Ceux qui me haïssent injustement. Ceux qui me rendent le mal pour le bien m'accusent pour le bien que je poursuivais. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon Dieu, ne reste pas si loin. Vite, à l'aide, toi Seigneur, mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il l'était au commencement, comme il l'est maintenant et comme il le sera éternellement. Amen. Deuxième livre des Chroniques, le chapitre 6, les versets 22 à 42. Si un homme pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment avec malédiction et qu'il vienne prononcer ce serment devant ton autel, devant cette maison, toi, écoute depuis le ciel, agis, juge entre tes serviteurs, punis le coupable en faisant retomber sa conduite sur sa tête et déclare juste le juste en le traitant selon sa justice. Si ton peuple d'Israël est vaincu par un ennemi, parce qu'il aura péché contre toi, s'il se repent, célèbre ton nom. Prie et supplie devant toi qui es dans cette maison. Toi, écoute depuis le ciel, pardonne le péché d'Israël, ton peuple, et fais-le revenir vers la terre que tu as donnée à lui et à ses pères. Lorsque le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie, parce que le peuple aura péché contre toi, s'il prie en se tournant vers ce lieu, s'il célèbre ton nom et revient de son péché, parce que tu l'auras affligé, toi, écoute dans le ciel. Pardonne le péché de tes serviteurs et d'Israël ton peuple. Tu lui enseigneras en effet la bonne voie où il doit marcher. Et donne la pluie à ton pays, le pays que tu as donné en héritage à ton peuple. Quand il y aura la famine dans le pays, qu'il y aura la peste, qu'il y aura la rouille, la nielle, les sauterelles ou les criquets, que ses ennemis assiégeront les villes de son pays, quel que soit le fléau, quelle que soit la maladie, quel que soit le motif de la prière, quel que soit le motif de la supplication provenant de tout homme ou de tout Israël, ton peuple, quand chacun prendra conscience de son fléau et de sa souffrance et qu'il étendra les mains vers cette maison, toi, écoute depuis le ciel, la demeure où tu habites, pardonne et traite chacun selon toute sa conduite, puisque tu connais son cœur. Toi seul, en effet, tu connais le cœur des humains. Afin qu'ils te craignent en marchant dans tes voies, tous les jours qu'ils vivront sur la face de la terre que tu as donnée à nos pères. Et même vis-à-vis de l'étranger, lui qui n'appartient pas à Israël, ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main puissante et de ton bras étendu, s'il vient prier vers cette maison, toi, écoute depuis le ciel, la demeure où tu habites, et agis selon tout ce que t'aura demandé l'étranger, afin que tous les peuples de la terre connaissent
ton nom. Que comme Israël, ton peuple, ils te craignent et qu'ils sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple partira en guerre contre ses ennemis, dans la direction où tu l'auras envoyé, s'il prie en se tournant vers toi, dans la direction de cette ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie pour ton nom, écoute depuis le ciel sa prière et sa supplication et fais triompher son droit. Quand ils auront péché contre toi, quand il n'y a pas d'homme qui ne pêche, que tu te seras irrité contre eux, que tu les auras livrés à l'ennemi, et le vainqueur les auront emmenés captifs dans un pays, lointain ou proche, si dans le pays où ils sont captifs, ils réfléchissent, se repentent et t'adressent leurs supplications dans le pays de leur captivité en disant « Nous sommes pécheurs, nous sommes fautifs, nous sommes coupables. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés, s'ils prient en direction de leur pays, le pays que tu as donné à leur père, en direction de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie pour ton nom, écoute, depuis le ciel, depuis la demeure où tu habites, écoute leurs prières et leurs supplications. Fais triompher leurs droits et pardonne à ton peuple qui a péché envers toi. Maintenant, mon Dieu, que tes yeux soient donc ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Et maintenant, lève-toi, Seigneur Dieu, viens à ton lieu de repos. Toi, éloge où réside ta force. Que tes prêtres, Seigneur Dieu, soient revêtus de salut et que tes fidèles se réjouissent dans le bonheur. Seigneur Dieu, ne repousse pas la face de ton consacré. Souviens-toi des actes de piété de David, ton serviteur. Parole du Seigneur. Évangile selon Marc, le chapitre 13, les versets 24 à 31. Mais en ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir,
entourés de nuées, dans la plénitude de la puissance et dans la gloire. Alors il enverra les anges et des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel, il rassemblera ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée aux figuiers. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, fais que ton Saint-Esprit nous parle, nous conduit dans ta vérité. Et fais que ton Saint-Esprit aussi nous donne un cœur qui croit en ta parole, un cœur qui espère en ta parole. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais vous partager la parole du Seigneur, à quoi je donnerai le titre de « Il y a une exception à la règle ». Je répète bien, « Il y a une exception à la règle ». En effet, mes chers amis, combien de fois avons-nous entendu que rien ne durera à jamais? Tout disparaîtra un jour. Pourtant, Jésus nous dit que ses paroles demeureront pour toujours. En effet, il a dit dans Marc au chapitre 13, verset 31, il a dit que le ciel et la terre disparaîtront tandis que ses paroles, tandis que mes paroles ne disparaîtront à jamais. En voilà bien donc une exception à la règle. Quelque chose qui ne va jamais disparaître. Mes paroles ne disparaîtront jamais. C'est bien une exception à la règle. Mais pourquoi donc? Pour pouvoir répondre à cette question, voyons d'abord qui est Jésus. Jésus, à part le fait qu'il est le fils de la Vierge Marie, la fiancée de Joseph, le charpentier de Nazareth, Jésus est le Messie annoncé par Dieu à travers les prophètes bien des années avant sa naissance. En voici quelques prophéties parmi tant d'autres qui parlent de lui. Dans Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, il est écrit « Eh bien, le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. » Cette jeune femme qui va être enceinte, mes chers amis, dites-vous bien que cette jeune femme est une vierge. Donc c'est une vierge qui va être enceinte et mettra au monde un enfant, un fils. Ça, c'est déjà, et c'est aussi une exception à la règle, une vierge qui va enfanter. Une vierge qui va enfanter. Dans Ésaïe au chapitre 9, verset 5, il est encore écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu l'a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » Et plus tard, l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 4, le verset 4, « Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu envoya son Fils, il est né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Ce sont les versets 4 et 5 de Galates au chapitre 4.
Il est clair donc, mes chers amis, que Jésus est ce Fils de Dieu. Plus même, il est tout simplement Dieu. Un jour, après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, et parmi eux se trouvait Thomas, à qui il a dit « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Puis, Thomas l'ayant vu ainsi, s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus est donc Dieu, si bien que ses paroles ne disparaîtront jamais. Mais aussi, mes chers amis, Jésus est Dieu et ses paroles s'accompliront. Je répète, Jésus est Dieu et ses paroles s'accompliront. Dans Ésaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11, il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. » C'est Dieu qui parle ici. Hein. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Le Seigneur nous dit donc que sa parole, ou bien ses paroles qui ne disparaîtront jamais, ses paroles vont certainement aussi se produire. Tout sur cette terre disparaîtront un jour. Toute l'humanité en fera partie. Mais pourtant encore, il y a une exception à la règle. Et cette exception n'est autre que ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle et par conséquent dureront éternellement. Écoutons ce que Jésus nous dit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3, le verset 16. Jésus nous parle « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Chers amis, vous qui m'écoutez en ce moment, voulez-vous vivre à jamais, non pas sur cette terre, mais plutôt au ciel, au paradis avec Jésus? Cela est possible. Dites-vous bien, cela est possible. Croyez en Jésus. Acceptez-le comme votre Sauveur, votre Seigneur et votre Dieu. Et vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle. Et pour vous qui avez déjà accepté Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur, votre Dieu, ayez confiance que quand bien même nous allons mourir un jour, nous vivrons éternellement avec Jésus. Nous vivrons éternellement avec Jésus. Voici ce que promet Jésus. Dans Jean, chapitre 14, verset 19, il dit « Dans un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. » Quelle consolation nous avons en celui dont les paroles ne disparaîtront jamais, en celui qui a dit que mes paroles ne disparaîtront jamais. Croyons en Jésus. Acceptons-le comme notre Sauveur et Seigneur. Ayons la certitude que nous aussi, nous ferons partie de l'exception à la règle. Car bien qu'humains, bien que nous allons mourir, nous allons vivre éternellement avec Jésus, à jamais dans le ciel. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ en lui offrant et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit les guillons de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Demandons aussi la présence du Christ dans notre vie. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, faisons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle.
Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit-Saint. Amen. Ainsi s'achève, chers frères et sœurs en Christ, le culte soir d'aujourd'hui. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'héritier du grand.